En République démocratique du Congo, pendant la crise électorale de 2018, le monde a assisté à une implication considérable de l'Église catholique congolaise pour la tenue des élections transparentes et pour le refus d'un troisième mandat du président en exercice, qui serait un mandat de trop illégitime puisque la Constitution ne le permettait pas. Et dans cette tension sociopolitique, certains politiciens, pour écarter ces efforts de l'Église, avancer des arguments se basant sur ce que Jésus dit en ce 29e dimanche du temps ordinaire, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » En d'autres termes, que l'Église laisse les politiciens s'occuper de leurs affaires. Est-ce vraiment ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce qui est à César? Qu'est-ce qui est à Dieu? Le dimanche passé, l'évangile tiré de Matthieu 22, 1 à 14, c'est-à-dire l'épisode qui précède celle d'aujourd'hui, Matthieu 22, 15 à 22, nous a parlé de la parabole du festin nuptial du fils du roi auquel les invités avaient refusé de participer malgré l'insistance du roi. Dans cette parabole, les pharisiens savent que Jésus se réfère à eux. Voilà pourquoi ils cherchent un prétexte pour l'accuser. Ils le font à travers trois controverses sur des questions très sensibles. 1. L'impôt de César, Matthieu 22, 15 à 22. 2. La résurrection des morts, Matthieu 22, 23 à 33. Et 3. Le plus grand commandement de la loi, Matthieu 22, 34 à 40. La première controverse, qui est celle d'aujourd'hui, se réfère à l'obligation de payer l'impôt à l'empereur. C'est une question très discutée. Le paiement de ce dit impôt était le signe de la domination romaine. Les partisans d'Hérode et le haut clergé étaient en faveur de l'impôt, puisqu'ils en bénéficiaient. Le groupe des révolutionnaires, cependant, considérait cet impôt comme une offense à Dieu, unique souverain d'Israël. Les pharisiens n'opinaient pas aussi violemment, mais étaient proches de la position des révolutionnaires. La question est donc compliquée. N'importe quelle réponse pouvait être très compromettante pour Jésus. S'il était en faveur de l'impôt, les pharisiens l'accuseraient d'être collaborateur et impie. Mais s'il était contre, les partisans d'Hérode pouvaient l'accuser de révolutionnaire et ennemi de l'empereur. Mais la réponse de Jésus est déconcertante, puisqu'il situe la question à un niveau plus profond. Pour lui, le plus important est que l'homme reconnaisse Dieu comme unique Seigneur. C'est donc dans l'homme où Dieu a laissé inscrire son image, Genèse 1, 27. À l'empereur appartiennent les pièces de monnaie de l'impôt, qui porte son image d'ailleurs. Mais seul à Dieu doit se soumettre l'homme comme Seigneur absolu. La réponse de Jésus ne défend pas une espèce de distribution équitable entre pouvoir politique et religieux. Ce que fait Jésus est de situer l'homme devant Dieu comme son unique Seigneur. Tout le reste doit être relativisé, même la soumission au pouvoir politique. Bon dimanche à tous.